Ne regarde pas Trump, tourne la tête, voilà, il faut pas que tu regardes. Allez! Ah! Ah, ça me dégoûte! Ah! Ah, on dirait du vrai sang! Ah, on dirait vraiment du vrai sang! Vite! Hey! Ici Trump! Abonnez-vous à la chaîne de Pikachu, sinon ça va très mal aller! Motherfucker! Yo la team Pika, j'espère que vous allez bien les potes, en tout cas moi ça va nickel. Comme d'habitude aujourd'hui les amis, on se retrouve pour essayer de défoncer Trump. Rappelez-vous les gars, on avait fait une vidéo où c'est qu'on avait essayé de détruire Trump, mais on n'avait pas réussi, il était vraiment super résistant, on y avait tiré dessus, on l'avait jeté en l'air aussi, il avait fait wouh, et ça n'y a rien fait du tout en fait. Si jamais vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like, comme ça je vois combien de personnes ont vu cette vidéo, je compte sur vous, un maximum de likes les gars. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va essayer de détruire Trump, on va même pas essayer en fait, on va le détruire, on va lui faire passer des tests, comme quoi on va le tuer, on va le prendre, on va le... Oh putain merde. Trump, tu fais chier! Voilà ce qu'il y avait dans la tête de Trump. Il y en a qui se demandaient qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Trump. Ben, un morceau de plastique, voilà. Pas grave, ça se remet. Hop. Là, par contre, je pense que ça va être vraiment les dernières heures de Trump. Là, il va avoir vraiment du mal à s'en sortir. Dites-moi en commentaire des petites idées pour essayer de le détruire si jamais il ne va pas mourir. Je rappelle que Trump est un jouet indestructible qui peut s'étirer beaucoup et il revient toujours à sa forme d'origine. Donc ça c'est quand même assez pas mal, pas vrai Trump? Wrong. En tout cas j'espère que vous êtes prêts, attachez votre ceinture parce que Trump là il va prendre cher, c'est parti, let's go baby. Bon, on va commencer table d'opération, bam, sur Trump. Ce qu'on va faire en premier, les gars, on va commencer vraiment petit. On va commencer vraiment petit et on va terminer vraiment grand. Ce qu'on va faire, c'est qu'en premier, on va essayer de prendre notre pouce, notre petit pouce, et on va essayer carrément de le transpercer vraiment beaucoup, genre que ça le transperce, que ça le traverse. Bon, je sais pas ce que ça va donner, on va commencer vraiment doucement, comme je vous ai dit, c'est parti. Trump, prépare-toi à perdre ton mollet. Ah, regardez ça. Regardez mon doigt. On va transpercer la jambe de Trump. Allez! Bah, là, vais mon pouce. Vais mon ouais, pouce comme il est. Faire. Là, là, il est vraiment brillant. Regardez mon pouce comme il brille. Ouh. Regarde là, par contre, tu as fond. Là, vais. Oh! Il y a eu un. Mais il y a un petit truc. VVV, il y a eu un petit truc là. Là, là il y a une petite genre, fissure, une petite fente. Là, je lui ai ouvert le tibia. On dirait du sein. Ouais, ouais, ouais. Là, je lui ai ouvert le tibia et ça n'y a pas plu. Bon, on va dire que mon pouce, il a quand même fait pas mal de dégâts à son tibia. Maintenant, on peut voir qu'il a une grosse fente sur son tibia, Trump. Tu l'as mérité! On va continuer avec un challenge encore plus dur. Et là, ça va piquer. Là, ça va piquer de ouf. Regardez ce qu'on va prendre, les gars. On va prendre un petit taser. Là, ça va piquer. Là, je vous dis, là, on est là pour le tuer. Là, on veut le détruire, Trump. Ça y est, c'est la fin. Ce jouet indestructible ne sera plus indestructible. Là, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Là, je sais pas si jamais il va griller ou pas. Est-ce que, à votre avis, il va griller avec ça? Regardez, je vous remontre. Là ça va piquer, là ça va piquer fort. Je pense que là on va lui faire sur le petit téton là parce que... voilà. Je crois que moi si je me le fais sur le téton c'est... Bon, c'est parti Trump. Attention, on va lui mettre carrément dans le sgeg. On lui met dans le sgeg. Attention, 3, 2, 1, adieu Trump. Ça sent la merguez. Oh, je vais lui faire sur son petit téton ici là. Attention. Ça crame. Oh. Non. Attends. Oh. On dirait que la... On dirait ce qu'il y a à l'intérieur, c'est en train de cuire. Oh putain. Oh, tu sais qu'est-ce que ça sent? Est-ce que tu sais vraiment ce que ça sent? Tu sais ce que ça sent? Ça sent, tu sais, les pétards qu'on met dans les pistolets de cow-boy quand tu fais... Et tu sais, il y a le petit pétard là. Ah oui. Eh ben, ça sent exactement ça. Je vais essayer de lui faire sur les abdos parce qu'un jouet qui a plus d'abdos que moi, ça me plaît pas tout ça. Attention, tu vas avoir des abdos en béton cette fois-ci, Trump. Oh là 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 là. Mais il a rien. Non, il a rien. Là, il a pris vraiment cher. Il a pris vraiment cher, le petit Trump. Je me suis fait mal. Je me suis fait mal en le tapant parce que sa tête, elle est dure. Bon, on n'a pas réussi à le détruire avec un simple petit taser. Je pense qu'on va tester avec une manière encore plus forte cette fois-ci. Pardon, j'ai peur, je me fais peur à moi tout seul. On va prendre, les gars, une petite fourchette et on va essayer de... Piou, 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 de planter Trump comme ça avec cette fourchette. Par où on commence? La jambe. La jambe? Là, là? La non. Bonne petite cuisse. Les amis, qui c'est qui veut une jambe de Trump? Attention, plantage de jambe. Ah. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, on enlève. Oh, oh,
Oh, il a fait un trou. Ah, il y a un truc sur la... Ouais, il y a un petit truc là sur la fourchette. Oh my god. Allez, allez. Hop là. Et on retire. Ah, il y a de la colle. Il y a de la genre de la glu, de la UU. Est-ce que ça sort? Est-ce que tu crois que ça fait comme les boutons qu'on a sur le visage? Regarde. Par contre, là, la fourchette, ça lui a fait quelque chose. Hein. Là, la fourchette, il a senti. Par contre, les gars, est-ce que vous vous rappelez? Je vous avais dit que c'est comme un peu la maïzena. Vous savez, genre, quand on appuie doucement, ça s'enfonce. Mais quand je veux appuyer fort, ça s'enfonce pas. Ben là, c'est pareil avec la fourchette, regardez. Là, regardez, si j'appuie doucement, ça s'enfonce, ok? Mais si jamais je fais fort, ça fait rien du tout. Meurs! 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 Rien du tout, ça lui fait rien du tout. Bon Trump, là tu fais le malin, mais t'inquiète pas, qu'on va te tuer, on va te tuer mec. Vous allez voir, on n'a pas fini tous les tests, la fourchette c'était juste pour rigoler, maintenant on va passer à quelque chose de plus ouf, de plus important. On fait quoi? On a le choix entre un couteau et un chalumeau. Le couteau pour commencer. Le couteau? On lui coupe un membre. On lui coupe un membre? Oh la tueuse en série quoi. Attention, bam. Ne jouez pas avec des couteaux chez vous, c'est très dangereux. Bon Trump, là, à mon avis, là il va pas survivre. Là, ça y est, c'est fini pour lui. Je pense que là, il va perdre un membre. Je pense qu'on va lui faire perdre soit un bras, soit une jambe, soit la tête peut-être. Rappelez-vous pourquoi on l'appelait Trump aussi? C'est parce que vous trouvez pas qu'il a une tête de Trump? On dirait pas Trump avec ses cheveux jaunes comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on va lui couper? Je sais pas, genre un petit manchot. Ça pourrait être ouais, cool, non ouais. Au dîner aujourd'hui, vous avez un petit Trump cuit sur place et cuit à point. J'espère que ça vous plaît parce que j'ai que ça. Hop là. Alors, j'ai été chirurgien un jour sur... comment ça s'appelait? Docteur Maboul, voilà. J'étais chirurgien chez Docteur Maboul. Mettez un like si vous avez connu Docteur Maboul. Le Maboul aujourd'hui, c'est moi. Je pense qu'on va lui couper le petit biceps ici. Déjà, là, ça fait rien. Quand je fais fort comme ça, ça fait rien. Par contre, quand je reste doucement et que je retire, là, ça fait quelque chose. Mais c'est un couteau en bois que tu m'as donné. Il coupe rien du tout, celui-là. Si jamais je tue la nuit, comment je fais? Si ça coupe pas? Ça marche pas. J'en ai un autre. Je peux pas te tuer. Attention, là, couteau avec des dents, ça devrait le tuer d'un coup sec. Ne regarde pas Trump, tourne la tête. Voilà, faut pas que tu regardes. Attention, oh là là, le carnage. Allez! Ah, ça me dégoûte. Ah, on dirait du vrai sang. Ah, on dirait vraiment du vrai sang. Ah, je suis cannibale, mon gars. Moi, je mange des humains. Ah, mais what? Je pensais que c'était plus liquide que ça. On va lui arracher le bras. Hein. Faut le faire cuire au barbecue. Une petite merguez. Hein. Ah, ça fait des bruits et tout, genre ça fait... C'est dégueu. Oh, regardez ça, les gars. Trump, il est en train de perdre son bras. Allez. Ah. Oh, putain. Oh là là, le couteau. Les gars, regardez cette table, c'est une boucherie. Trump, il a perdu son bras, c'est horrible. On dirait pas vraiment un film d'horreur. Fais ça. Enfin, je vais lui recoller. T'inquiète pas, tu vas survivre, mec. Mec, tu vas survivre. Après... Voilà, c'est le bras de Trump, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est en train un petit peu de se décoller. Voici notre Trump qui lui manque le bras gauche. Il ne pourra plus jouer à la play maintenant. C'est dommage. Quel dommage, tu ne pourras plus jouer à Call of Duty Fortnite. Là, on va passer au test final où c'est que on va voir vraiment si il va survivre à ça. C'est bien sûr le feu. Vous avez été nombreux à me le dire dans la dernière vidéo de le brûler avec du feu, voir ce que ça allait donner. Du coup, je vous ai écouté et on va essayer de le cramer, voir ce que ça fait. Bon, on va faire cuire notre petit Trump, hein. On va le mettre à poêler et on va essayer de le griller pour faire un Trump grillé, les gars. On va voir si c'est possible. J'espère qu'il a mis de la crème solaire sur son petit corps. Action, réaction, chimique. Ok. Là, ça va chauffer à des degrés, les gars. Et attention. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de soigner sa plaie qu'il a sur le bras. Attention. Oh, oh, t'as vu ce que ça fait? Oh, what the fuck? Ça fait des bulles. Là, ça pue. Ouh, il prend feu. Oh là là. Ça a durci. Ah, ça pue. Ça a durci. Ah. Voilà, on lui a refait... On l'a soigné. Ça, c'est bien. On va essayer maintenant de lui brûler carrément son corps, voir ce que ça va faire. Attention, on allume le gaz. Hop, let's go. Allez, c'est parti. Let's go. Attention, petit abdou qui disparaît. Hop là. Oh. Oh, il brille! Il brille! Mais. Oh! Oh! C'est un Trump! Un Trump crié à poil! What the fuck? What the fuck, Trump? What the fuck, Trump? Non! De l'eau! De l'eau! Vite! Oh putain, les gars! Regardez Trump! Il est en train de fumer! Oh! 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 Ouvrez la fenêtre! Ouvrez la fenêtre! Oh là 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 là, les gars! Regardez-moi ce Trump. Son corps, il est devenu tout mou. Oh, ça brûle. Aïe. Ah, ah, ah,
ça brûle. Bon, vous voyez qu'on a fait quand même du sale à Trump. Là, franchement, il a pris vraiment cher, mais il est quand même toujours vivant. C'est un Trump manchot, un Trump à un bras. Il a un bras en moins, il a une fracture du crâne et il a carrément bronzé sur le dessus au troisième degré. Donc, je pense qu'il y a encore moyen de lui faire du sale. N'hésitez pas à me dire en commentaire des trucs qu'on peut faire pour essayer de détruire encore plus Trump. Je sais pas, moi, mettre un pétard dans son corps et le faire péter. Vous voyez, dites-moi des idées comme ça dans les commentaires. Bref, en tout cas, si jamais vous avez aimé cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici, là, à vous abonner juste en haut, à mettre un like si jamais vous avez kiffé cette vidéo. Je compte sur vous, les gars. Et bref, je pense qu'on a fait pas mal de tests sur lui. Je vous dis à la prochaine. C'était Pika. Peace.